Bonjour, amis fidèles. Le terme fidèle, l'adjectif fidèle est adapté. Vous êtes nombreux à me suivre, à nous suivre, que ce soit sur le blog, que ce soit sur le compte X, où on est autour de 63 ou 64 000 euh, suiveurs ou abonnés, je ne sais pas comment on dit. Euh, je crois que c'est abonnés d'ailleurs. Euh, à peu près 1000 à 1500 par semaine, c'est très bien. Euh, et puis il y a bien évidemment la chaîne YouTube. Euh, je cite ces trois euh, supports. Il y en a d'autres. Il y a Telegram, il y a Facebook. Euh, J'essaie d'être présent pour faire ce travail de réinformation, pour m'exprimer. Euh, le problème, euh, c'est que ça prend énormément de temps et c'est très bien d'ailleurs. Et c'est très bien. Ça euh, demande faut s'organiser, faut répondre. Parce que j'ai plein de messages. Il y a ceux qui déposent des commentaires, il y a ceux qui utilisent l'adresse email, il y a ceux qui font des propositions. Et puis, bien évidemment, il y a ceux qui soutiennent et qui soutiennent sur le plan matériel. Je tiens à les remercier. Donc, tout ça demande pas mal de temps. Pourquoi est-ce que je commence avec ce petit exposé C'est pour expliquer pourquoi je suis en retard. Euh, clairement, le stand-by d'Hervé euh, n'a pas été sans poser euh, certains problèmes. Euh, ça évolue et je crois que ça évolue dans le bon sens. On va trouver euh, des solutions, surtout des, des, des moyens de faire la réinformation de façon un peu différente, y compris avec son soutien. Euh, et puis celui d'Alexandre Robert. J'en ai déjà, j'en ai déjà parlé. Alors, j'ai du retard cette semaine. C'était le week-end de Pâques. J'ai eu enfant. Qui, enfin, les, des enfants et des petits-enfants qui sont venus. Euh, C'est une fête de famille. Non pas que personnellement je sois croyant, mais j'ai des bons souvenirs de, de, des vacances de Pâques de mon enfance. Et euh, je dois dire que le printemps qui arrive est toujours une période assez merveilleuse dans l'endroit où je suis. Bon, donc j'en ai profité. J'ai procrastiné un petit peu. Enfin, là, je suis coincé. Nous sommes mardi matin après le lundi de Pâques. Et donc, je m'attelle à la tâche qui est la mienne. Alors, petite, cette petite intro pour vous dire qu'on euh, va avoir un programme qui est celui qui est annoncé en description, euh, comme on dit. Euh, mais avant, je voudrais faire un petit, euh, un petit topo, enfin, non, un petit exposé de, de, de l'actualité très immédiate. Alors, euh, j'ai une observation c'est que nous ne parlerons pas dans cette vidéo, ou très peu, de ce qui se passe euh, au Moyen-Orient. Euh, la situation est tragique, toujours dramatique. Je pense que l'État d'Israël est en train de faire la démonstration, s'il en était besoin, mais euh, à la face du monde, c'est ça qui est, qui est impressionnant euh, à l'occasion de ce conflit euh, à la face du monde, qu'il est un État sans foi ni loi. Bon, euh, hier, euh, deux informations qui arrivent, celle le matin. Euh, je vais faire un tour sur la presse internationale et à chaque fois, ce sont des images tragiques, des témoignages effrayants. Euh, ce matin, c'était simplement euh, le bombardement euh, d'un bâtiment diplomatique, ce qui est une violation grave du droit international. C'était euh, le consulat de la République d'Iran à Damas. C'est donc un acte de guerre. S'il y a des ripostes, bien évidemment, elles seront légitimes par rapport à cette agression, mais je crois que c'est la dernière des choses à faire et j'espère que l'Iran ne cédera pas à cette provocation. Le problème étant que manifestement, Israël souhaite l'aggravation, l'escalade et la généralisation du conflit. Il y a un côté suicidaire dans cette démarche. De la même façon, je considère que euh, ce qui est imposé... Euh, euh à Gaza euh, relève également de cette espèce de, 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 de fuite en avant suicidaire. Ce matin, c'était le bombardement d'un convoi humanitaire avec des Polonais, des Australiens, des Irlandais. Il y a eu sept tués de gens, euh, chez des gens qui essayaient d'éviter la famine. Une famine qui est organisée par Israël pour pas se raconter d'histoire. Enfin voilà, ça c'était pour dire qu'on reviendra sur ce qui se passe euh, à Gaza et euh, sur les évolutions euh, possibles. Euh, ce foyer est, est terrible à cause du coût humain qui est imposé au peuple palestinien. Alors, là aussi, je voudrais commencer par dans cette petite introduction parler de moi. Euh, J'ai eu les honneurs du communiquer. Le journal Margan euh, m'a cité euh, en me traitant de capitulaire. Ah bon, très bien, c'est intéressant, et pourquoi Alors, euh, voilà, je, je, je vous montre l'extrait le, de presse euh, me concernant, euh, je, je vous laisse le lire. Alors, euh, capitular de la part des deux euh, scribouillards, et je pèse mes mots, parce que ça, c'est une insulte grave pour moi, capitular, parce que dans ma vie j'ai eu beaucoup d'engagements et euh, personne ne se servisait de me traiter de capitular j'ai pris des risques oui, oui j'ai pris des risques y compris des risques physiques lorsque j'étais président de france amérique latine ou lorsque j'ai mené des missions internationales à l'époque où les juristes internationaux euh, euh, avaient des responsabilités euh, euh, dans une planète euh, qui connaissait des régimes extrêmement difficiles en afrique en Amérique latine. Euh, sur le plan français, j'ai été militant confronté à l'anticommunisme qui était virulent quand même. Jamais, je, je, je considérais qu'il fallait reculer. Donc euh, moi, l'accusation le, 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 ou l'injure qui m'est lancée, je ne dis pas insulte. Hein. Injure qui m'est lancée euh, d'être un capitular me déplaît profondément. Elle me déplaît profondément d'abord parce que euh, on, me, on, on me dit oui, euh, il est, il est anti-ukrainien donc c'est capitular. Je ne comprends pas bien. Je ne suis pas spécialement anti-ukrainien. Ce que je n'aime pas, c'est le régime actuel, ce régime qui a été manipulé, installé par les Occidentaux, qui euh, euh, a des liens étroit avec le, né le néo-nazisme ukrainien, qu'on le qu veuille ou non, et euh, qu'on ne vienne pas me répondre, ah oui, oui, mais ils ne font pas de bons résultats aux élections, ils avaient fait 20%, mais après ils ont, ils ont arrêté, mais ils ont investi l'appareil d'État, et il y a des statuts de, de génocidaires ukrainiens euh, alliés des nazis pendant la guerre qui ont fait la Shoah par balle, qui ont massacré des Polonais, hein, et ils ont des avenues à leur nom, des, des euh, statuts à leur nom, et des cérémonies tous les ans. Bien. Donc, c'est un régime, oui, qui a des composantes néo-nazis. Et ça, je n'aime pas ça. Ensuite, dans le conflit qui existe aujourd'hui, je considère que c'est un conflit par proxy, que les Ukrainiens se sont laissés entraîner par l'Occident et ont accepté de jouer ce rôle à leur détriment, parce que l'État dans lequel ils se est épouvantable. Donc, dire ça c'est être capitulaire, capitulaire devant la Russie. Jusqu'à nouvel ordre, je ne crois pas que la Russie nous ait déclaré la guerre. Jusqu'à nouvel ordre, ils ne nous ont pas envahis. Jusqu'à nouvel ordre, ils n'ont pas, comme les Américains, démantelé le, le système euh, industriel français. Ils n'ont pas acheté, euh, comme les Américains, euh, la haute fonction publique d'État. Ils n'ont pas euh, euh, corrompu. Y compris dans ce que nous dit aujourd'hui euh, les plus hautes autorités, je, ce que nous dit aujourd'hui Jean-Philippe Tanguy. Eh bien, moi, je laverai toujours le, le lâche sale de la France et des élites françaises devant les Français, car ils méritent la vérité. Et peut-être qu'un jour, nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour, le parquet national financier pourra établir si oui ou non M. Macron a été un agent euh, des États-Unis pour vendre Alstom, a été un agent pour l'équigé sale euh, technique à la fin. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. Et donc, euh, oui, je pense qu'il y a des capitulaires devant. Euh, euh, L'occupation américaine dont nous sommes l'objet. J'allais oublier les écoutes, j'allais oublier la surveillance, j'allais oublier le, le fait que les présidents de la République qui succèdent chez nous sont des young leaders, c'est-à-dire qu'ils ont été repérés, encadrés, formés par les États-Unis. Bravo! Bien, donc, euh, Jusqu'à Nouvel Ordre, je, euh, je suis de l'avis de François Mitterrand qui avait dit à Roland Dumas, oui, nous sommes en guerre avec, et c'est une guerre terrible, nous sommes en guerre avec les États-Unis. Le général de Gaulle l'avait parfaitement compris euh, à l'occasion du traitement que lui avait infligé Franklin Roosevelt. Donc, euh, je suis traité de capitulaire. Excusez-moi, je suis un peu long, mais parce que je crois que c'est ça, ça, ça raconte ce qui est se en, en train de se passer chez nous. Et je suis traité de capitulaire par qui Par deux scribouillards qui euh, travaillent au journal Marianne. Vous savez le journal Marianne Il est possédé par Kaczynski, qui est un oligarque tchèque. Lequel oligarque tchèque donne ses ordres Hein, ce sont les domestiques, le doigt sur la couture du pantalon. Et je rappelle juste une petite anecdote à ces deux scribouillards qui me traitent de capitulaire. Hein. Je ne les ai pas ou guère entendus lorsque Monsieur euh, Krestinsky, entre les deux tours de l'élection présidentielle française en 2022, a exigé un changement de couverture de première page de leur magazine. Eh bien oui, c'est ça, hein, messieurs vous appartenez à l'oligarchie, à la plutocratie, hein, et vous êtes là pour lui rendre des services. Et le jour où vous franchirez la moindre limite, ce sera la porte. Alors, venez pas donner des leçons aux autres, vous n'êtes pas idéalement placé pour ça. Voilà, vous, vous avez constaté que j'étais un petit peu en colère. Eh bien, écoutez, maintenant, on va passer à notre programme, euh, c'est-à-dire en commençant par euh, ce qui se passe euh, en Ukraine et sur les perspectives qui s'offrent euh, dans ce conflit. Alors, euh, grand débat euh, parmi tous ceux qui s'occupent, s'intéressent, euh, discutent, critiquent, euh, informent sur la guerre en Ukraine. C'est entre ceux qui... Alors, ce n'est pas, pas un débat euh, qui, euh, comment dire, euh, qui oppose de façon furieuse, non. Ce sont deux approches différentes. Il y a les tenants. De la préparation à relativement brève échéance, et en tout cas pour l'année 2024, d'une grande offensive par les Russes, visant à atteindre leurs, objections, leurs, objections, leurs objectifs, euh, et notamment euh, prise de Kharkov éventuelle, euh, prise d'Odessa aussi, pour fermer l'accès euh, à la mer Noire, à la. À l'Ukraine, sachant que notre euh, euh, Kéké national a considéré qu'il fallait protéger Odessa. Hein Il va envoyer 200 malheureux Pékins qui vont se faire arroser à coups de Kinjal pour proje, euh, protéger Odessa. On va y revenir hein, sur les, les pitreries de notre euh, hexagone national. Donc, le, le problème, c'est qu'il y a des gens qui considèrent que euh, cette euh, offensive est inévitable. Euh, Hervé Carès, c'est le cas, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et en tout, cas, en tout cas, on nous agite avec ça, comme euh, euh, le montrent ces euh, vues que je vous présente euh, sur les chaînes d'infos, euh, offensives ou pas, euh, vont-ils attaquer, etc. Donc, euh, je ne sais pas, personnellement. Je n'ai pas euh, euh, exactement la même opinion. Ceux qui me suivent, euh, et je le répète souvent, euh, ont pu constater que ça fait longtemps que, je, en utilisant une expression assez déplacée d'ailleurs, hein, euh, que je dis que les Russes font durer le plaisir. Ils font durer aucun plaisir, ni d'un côté ni de l'autre, mais euh, ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Ils sont toujours, euh, me semble-t-il, dans une stratégie d'attrition, euh, c'est-à-dire qu'ils usent, ils continuent à user et ils continuent à user qui Ils continuent à user et ça, je pense que euh, il y a ces deux facettes. Ils continuent à user l'armée ukrainienne et l'État ukrainien. Qui est quand même dans une situation de pénurie d'hommes, de pénurie de matériel, de désorganisation administrative, de pénurie financière, euh, assez, assez dramatique. Donc, je pense que les Russes continuent cette stratégie qui, jusqu'à présent, euh, leur a réussi. Elle est lente, euh, mais euh, ils ont pour l'instant euh, une position qui est bonne au point que, en Occident, euh, c'est la panique on se dit voilà la guerre est perdue l'Ukraine a perdu la guerre euh, c'est pas si simple que ça parce que euh, l'Ukraine est le proxy est le combattant euh, envoyé en première ligne par l'occident mais la guerre elle est contre l'amérique et contre l'otan et l'attrition elle est aussi dans cette direction là une attrition qui soit une attrition euh, industrielle une attrition euh, euh, financière euh, du fait des stupides sanctions avec effet boomerang et d'une attrition politique. Euh, je ne sais pas si ça marchera, mais Vladimir Poutine a bien dit il y a maintenant un petit moment, euh, nous négocierons, nous discuterons avec les pays occidentaux, mais pas avec ceux qui les dirigent aujourd'hui, parce que cela changera. Leurs peuples vont finir par en avoir marre et changer de dirigeant. Je ne sais pas si ça va se produire, oh, comme j'aimerais que ça se produise, mais le problème, c'est que ça prend du temps. Alors, euh, la, la, euh, la fenêtre existe pourtant, parce qu'on est dans une euh, situation politique, je parle bien de l'Occident, où il y a des élections très importantes. Il y a l'élection présidentielle américaine. Où la guerre en Ukraine euh, est un sujet qui divise, mais euh, où de plus en plus ceux qui sont lassés dans l'opinion publique et dans la sphère politique euh, veulent en finir. Hein, et on, je crois, notifié aux Ukrainiens, notifier aux Européens, qu'ils allaient se désengager. Mais ça, c'est la pression de cette euh, euh, élection présidentielle. Pas seulement, pas seulement. Il y a également d'autres problèmes, je pense, en ce qui concerne. Euh, le débat euh, le, sur la frontière sud. Alors euh, en, eu, euh, en, en Europe, au sein de l'Union européenne, euh, ne pas oublier qu'il y a euh, une élection, des élections euh, parlementaires euh, le 9 juin et que ce qui était un scrutin qui n'intéressait personne va peut-être euh, témoigner des contradictions. Et de la situation politique difficile que rencontrent les pays de l'Union européenne. Situation difficile euh, économiquement. Euh, D'ailleurs, je pense que euh, c'est cette situation difficile qui crée des troubles politiques. Et en ce qui nous concerne, c'est la raison pour laquelle je, je persiste à penser, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je persiste à penser que Emmanuel Macron a lancé ce, son sa redemontade. Euh, c'est redemontade et, et continue à le faire euh, pour des raisons de politique intérieure. Parce que je pense que, euh, sauf à ce qu'il soit euh, dans une brise délirante, mais à ce moment-là, je pense que les militaires lui rappelleront la réalité des choses, euh, même s'ils obéissent et on ne les entend pas, euh, que pour dire que c'est une aventure inepte, inepte. Euh, on n'a absolument pas les moyens d'aller faire les kékés sur le territoire de cette pauvre Ukraine. Voilà, donc l'attrition, le, 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 elle se fait aussi euh, en direction euh, de l'Occident. Euh, qui est à l'os concernant ses fournitures euh, militaires, euh, qui constate avec horreur que son système industriel, ses systèmes industriels dans les différents pays, euh, qui sont très hétérogènes en plus en termes de matériel, euh, sont, sont dans un état quasiment catastrophique. Euh, Monsieur Le Cornu, notre ministre de la Défense, vient dire, j'exige qu'on produise des munitions, mais tu exiges, mais, mais quoi, c'est est le capitalisme en France, c'est le néolibéralisme que tu adores. Hein c'est euh, Donc, il va falloir euh, faire des cahiers des charges, il va falloir lancer des appels d'offres, il va falloir reconstruire des chaînes industrielles, des chaînes d'approvisionnement, il va falloir former des gens, des ingénieurs capables de suivre. On n'a pas ça, c'est une blague. Et dans le meilleur des cas, on produira 4000 obus euh, fin de, par mois euh, fin 2024. C'est la consommation quotidienne des Russes. Alors moi, je veux bien, mais il euh, faudrait peut-être de temps en temps être un petit peu sérieux. Donc, voilà, je pense que les Russes ne sont pas pressés, même s'ils ont une fenêtre politique particulière, avec les élections qui se profilent dans les zones concernées, Amérique du Nord, avec la présidentielle, parlementaire, avec les européennes. Voilà. Donc, euh, ce... Cette analyse, elle est le fruit de considérations à caractère général. Lorsqu'on voit ou qu'on regarde, qu'on veut regarder ce qui se passe sur le terrain, on constate quand même un certain nombre de choses. Premièrement, euh, la modélisation du front se poursuit. Elle se poursuit euh, méthodiquement. Euh, il ne se passe pas grand-chose de spectaculaire euh, qui donnerait lieu à des commentaires à n'en plus finir, comme par exemple la chute d'Advitka, non, mais il y a des villages qui tombent, il y a le saillant de Robotine qui est traité, etc. Donc euh, la guerre continue, euh, toujours avec les mêmes conséquences pour euh, ceux qui sont sur le terrain, et je pense en particulier aux euh, soldats ukrainiens qui sont toujours soumis à des bombardements assez terrifiants assez terrifiant. Là, je vous propose une petite vidéo pour regarder ce que donne un bombardement thermobarique. Effectivement, c'est quand même très spectaculaire. Alors, euh, la stratégie de bombardement euh, repose bien sûr sur des matériels euh, différent de ce qui était auparavant, ou en tout cas qu'on a fait évoluer. Je pense euh, en particulier aux bombes planantes. Euh, on était à 500 kilos, on est passé à 1000 kilos, on est passé à 1500 kilos, maintenant on serait à 3000 et on annonce éventuellement des bombes de 5000 euh, kilos, de 5 tonnes, ce qui est absolument euh, monstrueux. Donc, et qui peuvent être lancées d'assez loin du fait de euh, ce mécanisme euh, de bombe planante. Donc, euh, ces, euh, ces bombes, elles sont là pour frapper le front, frapper les défenses, et les missiles, Et désolé pour Madame von der Leyen, euh, les Russes ont dû suffisamment démonter deux machines à laver, euh, les missiles frappent euh, l'arrière, bien évidemment, et qu'est-ce qu'on constate et euh, cette carte le montre, qu'est-ce qu'on constate C'est que euh, c'est euh, toute l'infrastructure énergétique qui avait été, déjà été traitée, mais qui avait été traitée de, de, de façon particulière par euh, les Russes euh, à la fin de l'année 2022, après euh, le bombardement. Enfin, euh, non, le, pas le bombardement, l'attentat contre le pont de Kerch, ils avaient lancé une stratégie qui avait lourdement affaibli les ressources énergétiques de l'Ukraine. Là, c'est autre chose. C'est beaucoup plus fort. Euh, même les Ukrainiens le reconnaissent ils n'ont pas eu euh, ces bombardements euh, de, depuis le début de la guerre, de cette ampleur et euh, sur le type d'installations qui sont visées, semble-t-il semble-t-il. Et par conséquent, euh, l'idée, elle est bien de plonger le pays dans le noir, mais surtout de priver euh, l'armée ukrainienne de, de, de ressources en énergie et d'empêcher de, toute la logistique qui est déjà compliquée de, euh, de fonctionner, et qui a besoin de, de cette énergie. Alors voilà. Moi, c'est ça qui m'amène à considérer, lorsque je vois cette, cette stratégie de bombardement, c'est ça qui m'amène à considérer que, euh, oui, peut-être, euh, on est dans une, une stratégie de longue haleine euh, de destruction méthodique. Alors, on va me répondre, je suppose que Hervé me répondra ah oui, mais euh, elle peut être aussi euh, destinée à préparer la force. À la préparer, bon, ça, c'est tout à fait euh, possible. Alors, il y a quelque chose qui euh, permettrait peut-être de, de pencher en direction de l'offensive, ce serait euh, l'attaque des ponts sur le Dniepr. Parce que si les Russes se lancent dans une stratégie de destruction méthodique des ponts sur le Dniepr, ça veut dire qu'ils pourraient enfermer l'armée ukrainienne euh, à l'est du Dniepr. Et ce qui serait absolument terrible, parce que elle a déjà une logistique compliquée, hyper tendue. Là, si on la prive de ses ravitaillements, qui passent tous, naturellement, ben, euh, le, le Dniepr est très large, euh, il, il faut euh, le passer, si euh, euh, ils, ils ne disposent plus des ponts existants, et qu'il faille en mettre des pontons, des installations militaires, je ne suis pas très, très féru dans les techniques euh, à mettre en œuvre, mais euh, ce, serait, ce serait quand même quelque chose euh, de très difficile à encaisser. Donc, euh, oui, Peut-être qu'on en saura un peu plus si jamais les Russes lancent une stratégie, lancent euh, des attaques et détruisent méthodiquement, j'insiste, méthodiquement les ponts euh, sur le Dniepr. Alors face à ça, quelle est la stratégie, enfin telle qu'on peut l'imaginer, la stratégie des Ukrainiens Clairement, d'abord, il y a une stratégie de communication toujours, c'est-à-dire les actes militaires sont souvent destinés à l'Occident pour montrer que les Ukrainiens continuent à se battre. Alors il y a eu l'offensive sur Belgorod. Euh, euh, sur le territoire russe euh, qui a été extrêmement coûteuse, euh, qui a été un échec total, mais surtout un échec sanglant. Il euh, y a eu euh, plusieurs centaines de morts, certains parlent de plusieurs milliers, et euh, il n'en est strictement au plan militaire. Même au plan tactique, il n'en est strictement rien ressorti. Donc c'était quelque chose de spectaculaire au départ et évidemment destiné à galvaniser la communication occidentale. Il y a eu aussi des, des attaques de drones, il y a eu des attaques contre, en mer Noire contre la flotte russe, toujours non pas par des bateaux, mais par des drones euh, sous-marins. Bon, alors, euh, euh, on entend, ah, euh, les, 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 les Russes ont perdu leur flotte de mer, euh, mer Noire, c'est ridicule, ils ont perdu, euh, ils doivent considérer que ça fait trop, ils ont perdu quelques bâtiments, mais c'est moins de 10% de la flotte de la mer Noire. Euh, et par conséquent, tout ça, ce sont des... des comment dire des, des coups d'épingle destinés à faire plaisir à, à, aux, aux petits niais qu'on euh, qu voit parcourir les réseaux. Je pense à Titelman, je pense à un autre qui s'appelle Amurski, euh, etc., qui viennent vous doctement vous expliquer que tout ça, c'est le fruit d'une stratégie particulièrement pensée et que l'Ukraine va gagner la guerre. Désolé pour eux, mais la messe est dite. Euh, bon, ce sont des militants et ce qu'ils racontent n'est pas très intéressant, même s'ils sont parfaitement euh, fondés à le faire, dès lors qu'ils ont des attaches particulières avec l'Ukraine et qu'ils entendent euh, et qu'ils ont pris le parti de ce, de ce pays. Ce qui est plus discutable, finalement, c'est le mensonge. Alors, dans cette stratégie se pose la question du massacre de Crocus. Euh, massacre de masse. Je crois qu'on est à 140 morts, c'est-à-dire l'équivalent de, 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 de l'attaque du Bataclan, parce qu'il y avait eu le Bataclan, mais il y avait eu les terrasses aussi. C'est <coughs> à peu près équivalent. Euh, ça a causé un énorme euh, choc en Russie, un véritable traumatisme, incontestablement. Euh, donc, euh, la question est de savoir euh, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'il en est Alors. Euh, J'ai reçu Eric Dénessé euh, sur cette chaîne qui nous a expliqué euh, que euh, c'était bien euh, ISIS, E-I-K, euh, e euh, une, une des branches, une des franchises euh, de l'État islamique qui avait euh, organisé et dirigé cette opération. Bien. Je partage euh, cet avis, mais en revanche, on, on, on va diverger euh, en ce qui concerne l'implication occidentale. Moi, il y a des choses que je trouve euh, curieuses. C'est que euh, d'abord, il y avait le départ des, euh, des terroristes qui ont été arrêtés vers l'Ukraine. Euh, bon, Eric Dennessé disait que c'était la frontière la plus près. Oui, c'est possible, mais bon, pour autant, quand même, il fallait pouvoir la franchir. Donc, il y avait peut-être des choses qui étaient euh, préparées. Euh, ensuite... Il y a l'attitude occidentale qui est curieuse quand même, qui est curieuse. C'est dès le premier jour, on nous dit, ah, c'est l'État islamique. Tout de suite, de façon très affirmative, de façon très, très affirmative, euh, c'est l'État islamique. En aucun cas, ça ne peut être l'Ukraine. Il y a eu une montée en défense, euh, euh, peut-être probablement en tout cas, par peur de la réaction russe. Bon alors attention, euh, cette, euh, cette précipitation, il euh, ne faut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, mais enfin quand même, je, je, la, je la trouve étrange euh, qu'aussi rapidement euh, l'Occident euh, se soit ainsi prononcé. Parce que quand je dis c'était pour éviter que l'ukraine ne soit mise en cause. c'était euh, euh, peut-être euh, aussi pour euh, éviter que euh, leur responsabilité le soit parce que euh, ils ont quand même été très informés d'abord cette revendication de l'état islamique dont, dont ils font état le premier jour. le premier jour ensuite euh, ce qui s'est passé euh, le 7 mars euh, je m'en rappelle, hein, c'est mon anniversaire, le 7 mars. Bien, donc le 7 mars, ils ont lancé un appel pour 48 heures. Pour 48 heures, ils avaient donc des informations précises, l'appel, c'est-à-dire qu'ils ont appelé leurs ressortissants à être extrêmement prudents, en particulier dans les salles de spectacle, pour les 48 heures qui venaient. Il y avait le fameux grand concert de Chaman, qui est le, le, le chanteur, leur Johnny Hallyday à eux, euh, et qui est un patriote, hein, qui est un chanteur patriotique, extrêmement populaire. Bon, euh, son concert était prévu le 8 ou le 9, je ne sais plus, et en tout cas, c'était avant l'élection présidentielle. Ça aurait effectivement, si l'attentat avait pu avoir lieu à ce moment-là, ça aurait provoqué quelque chose d'assez considérable, plus fort encore que celui du massacre de Crocus. Donc, les, 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 euh, les Occidentaux et les États-Unis en particulier avaient des informations. Et, et, et d'habitude, euh, euh, on donne ces informations précises. Les Russes disent qu'ils ne les ont jamais eues. Et ensuite, cet avertissement général, il portait sur euh, trois jours, dans les prochaines 48 heures. Euh, bon, donc, euh, ce qui veut dire que euh, bah, euh, on, 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 l'avertissement, c'était un peu une fois que ces dates seront passées. Euh, plus d'alerte euh, possible, quoi. C'était juste cette fenêtre. C'est curieux. C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Donc, euh, les commentateurs, et je pense en particulier euh, dans la dissidence américaine, sont extrêmement dubitatifs. Euh, il suffit d'écouter Larry Johnson, qui est quand même un, un ancien agent de la CIA, dire que c'est euh, jouer avec le feu, le faire de cette façon-là. Alors ensuite, il y a eu l'enquête laquelle enquête a été menée rapidement mais elle a été menée alors bon avec des méthodes euh, que les rues sont affichées ça aussi c'est euh, euh, une information c'est à dire qu'on a vu les quatre gars dans un triste état ils ont dû passer des, mo des moments très difficiles parce que c'est toujours euh, désagréable et déplaisant lorsqu'on voit ça euh, mais euh, ce que j'ai remarqué c'est que sur les réseaux français euh, euh, même les euh, russophobes approuvaient ce genre de comportement vis-à-vis -vis des terroristes. Moi, je ne l'approuve pas, mais bon, ce n'est pas mes affaires, ce sont celles des Russes. Et ils ont lancé leur enquête et donc euh, euh, ils ont été euh, affirmatifs par la suite. Et euh, vous allez voir le, 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 le cheminement. Ils ont dit les Ukrainiens sont impliqués. Bon. Euh, C'est de l'affirmation, mais notre enquête le prouve. Ils disent qu'il y a eu des flux financiers. Ils ne ils, ils disent pas grand-chose. Hein, ils donnent un certain nombre d'informations. Mais euh, voilà, c est, c est, euh, euh, cette enquête pointe euh, par conséquent les Ukrainiens. Ils n'ont pas élargi au-delà. Hein, euh, cette euh, enquête implique les Ukrainiens et euh, donc... Euh, nous considérons, et ça c'est la suite, et après euh, des conférences de presse de, euh, du patron Bortnikov, du patron du FSB, euh, qui s'occupe de la sécurité intérieure, euh, je crois que Narishkin, celui du le SVR, je ne suis pas sûr, enfin, je ne sais plus, en tout cas Bortnikov, sûrement en conférence de presse, dans, dans, au cours de laquelle il a donné un certain nombre d'informations, et ils ont dit voilà les services. Ukrainiens sont impliqués. Donc, on vous demande à l'Ukraine l'extradition. Ils ont donné un certain nombre de noms. Il y a un type qui s'appelle Malik, Lyuk, je crois, qui a revendiqué les attentats contre les personnes qui ont eu lieu sur le territoire russe, la fille d'Alexandre de, de, Douguid, etc. Euh, le chef du SBU, euh, il y a Boudanov, euh, d'autres peut-être, oui. Et donc, on vous en demande l'extradition. Alors, a, et tout le monde de ricaner. Le problème, c'est que c'est une procédure particulière qui va permettre ensuite de qualifier l'État ukrainien d'État terroriste. Le proclamer dans la presse, c'est une chose. Entamer des procédures pour le faire, c'en est une autre. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Et puis, c'est aussi probablement... Euh, le, le, le le message qui est envoyé euh, selon lequel les personnes considérées sont désormais en danger sont désormais en danger euh, et que euh, ce que euh, la Russie s'est gardé de faire jusqu'à présent par rapport à des gens identifiés elle a elle a euh, détruit le siège du SBU elle a détruit euh, des rassemblements où il y avait même des militaires de l'OTAN hein, on parle de là d'un d'un haut gradé polonais mort de mort naturelle subite. Bon, euh, il semble bien que qu'il ait été pris dans une frappe, mais euh, le, le, le problème, c'est que euh, s'agissant de dirigeants de l'État ukrainien, euh, c'est une démarche qui est tout à fait nouvelle. Donc voilà pour ce qui concerne le, le, la suite du, euh, de l'attentat de Crocus, mais clairement, euh, ça va changer les choses. Euh, les réactions de la Russie ne seront peut-être pas de même nature que celles euh, des États-Unis après le 11 septembre, mais euh, je pense que les méthodes vont changer et qu'on va euh, voir se produire... Pas mal d'épisodes de guerre secrète. Alors, comme me disait Eric Dénessé, ben finalement, la guerre secrète, c'est peut-être mieux parce que ça fait moins de morts que la guerre ouverte. Je ne suis pas loin de partager cette, cette opinion. Alors, ça, c'était pour le, la façon dont la Russie a réagi, la signification de cet attentat. Difficile de savoir pour l'instant ce qui s'est passé en réalité, quels étaient les commanditaires. Les organisateurs, les exécutants, on saura ça plus tard. En revanche, euh, on a vu les réactions en Occident, et euh, de ce point de vue, malheureusement, notre cher pays s'est une fois de plus ridiculisé. Ridiculisé parce que lorsqu'on regarde un peu la presse occidentale, euh, aucun des excès, aucune des caricatures, euh, enfin, au peu en tout cas, euh, n'ont pu être vus. Euh, chez nous, immédiatement, euh, les euh, pitres de plateau sont montés à l'assaut, les pires servants Garcia, euh, le euh, euh, général Yakovlev. Euh, euh, tout un tas d'autres raisonnements. Euh, euh, un écrivain qui s'appelle Igor Gran, qui est raciste au dernier degré, euh, russophobe, sont venus dire Mais non, mais non, euh, tout ça, c'est pas possible, c'est les Russes qui l'ont organisé, euh, ils se sont automutilés. Euh, voilà. Euh, sans... Alors, ils avaient absolument aucun élément qui leur permettait de le dire, euh, mais immédiatement, ils se sont précipités. Et là, nos fact-checkistes n'ont pas bougé. Hmm donc, euh, euh, quand il s'agit de ceux qui disent que euh, les, les, ce sont les Américains qui ont eux-mêmes programmé la destruction des tours du World Trade Center, ah, c'est horrible, ce sont des complotistes, je partage d'ailleurs cette analyse, je ne pense pas qu'il s'agit d'un complot euh, américain et que les Américains se euh, le sont infligés à eux-mêmes, mais euh, ils ont été vilipendés. Euh, là, pas du tout, pas du tout. Toutes les chaînes d'info ont répercuté, y compris... France Télévisions ont répercuté euh, en invitant euh, euh, des experts tout à fait inconnus qu'on sortait du placard ou en convoquant les experts habituels. Je pense euh, euh, à Isabelle Lasser, euh, je pense à euh, Elsa Vidal. Je donne les noms parce qu'on finit par, par les voir, enfin, surtout sur les réseaux, parce que moi je regarde peu ces chaînes en, en direct. Donc, notre pauvre pays, une fois de plus, complètement... Lamentable euh, dans sa façon d'appréhender ce qui se passe dans le monde. Alors, en ce qui concerne le conflit en Palestine, clairement, il y a une prise de parti totale pour l'État d'Israël et euh, très peu de voix qui s'élèvent pour euh, euh, critiquer et condamner euh, le comportement d'Israël à Gaza. Ce que, et je reprends mes responsabilités pour la énième fois, il s'agit à mes yeux de juristes qui a une certaine expérience internationale d'un génocide au sens des conventions de 1948. Bien, et que la France, dont je rappelle, qu'elle a voté la délibération qui exige le cessez-le-feu et qu'elle n'a pris strictement aucune mesure pour le faire appliquer, euh, est absolument lamentable. Bien, donc, il euh, y a cette prise de parti qui est euh, tout à fait euh, critiquable, dommageable, et ce d'autant qu'on est quand même, je le rappelle, euh, le pays d'Europe qui a la plus forte communauté musulmane, euh, et il ne faut pas se raconter d'histoire. Cette communauté musulmane, on est en plein ramadan, a de la sympathie pour la cause palestinienne. C'est une évidence et on la comprend. Moi, j'ai de la sympathie pour la cause palestinienne et je ne suis pas musulman. Donc imaginez-vous des gens qui ont une solidarité, solidarité arabe, solidarité musulmane, comment ils peuvent ressentir le fait que tout l'appareil institutionnel et tout l'appareil médiatique a pris parti sans mesure pour l'État d'Israël. Alors, voilà pour ce qui concerne euh, le, le, le Moyen-Orient. Euh, en ce qui concerne le reste, que dire? Que dire, que dire? Bien, alors, on va se détendre un petit peu, je sais que ce n'est pas bien dans cette actualité terrible, et en particulier en ce qui concerne cet attentat de Moscou, mais je voulais euh, passer à un petit extrait vidéo euh, qui nous renvoie au fonctionnement de l'État russe, c'est-à-dire que c'est un État multiethnique. Ce n'est pas un État qui a notre propre conception française de l'universalité citoyenne. Donc, il y a des ethnies et... Euh, je ne sais pas si c'était un fait exprès, mais les euh, terroristes qui ont été arrêtés du côté de Briance, qui étaient en train de se diriger vers l'Ukraine, euh, ont été arrêtés par euh, un détachement de euh, soldats tchétchènes, donc euh, qui sont des musulmans passablement rigoriste, d'ailleurs, et donc euh, c'était une façon de renvoyer au, au sketch, quoi, c'est-à-dire qu'il y a des bons musulmans et des mauvais musulmans euh, en, en russie. Euh, donc, voilà comment ils ont été honorés et voilà comment euh, ils ont euh, réagi. Euh, petite séquence vidéo très courte euh, qui, en, à mon avis, qui en dit très long. Passons maintenant au travers de quelques anecdotes. On ne va pas trop s'apesantir sur notre pauvre pays. Quelques anecdotes qui témoignent de, du niveau que nous avons atteint. C'est un effondrement. Nous sommes ridicules au plan mondial, mais ridicules. Euh, ceux qui ont vu euh, la vidéo que je ne vais pas remettre euh, de la télévision belge, où on se moque ouvertement et, et euh, de façon dure d'ailleurs d'Emmanuel Macron pour ses redemontades guerrières, euh, témoigne bien de l'abaissement de ce pays avec à la tête un bloc élitaire euh, coiffé par ce personnage improbable et euh, que euh, personne dans le monde ne nous envie. Alors, bon, hein, je l'ai dit, quelques petites anecdotes. Euh, on a Madame euh, Hidalgo qui va à Kiev et qui dit... Euh, euh, les athlètes russes et biélorusses ne sont pas les bienvenus. Alors quand on y pose la question de savoir, bah, les, athlè les athlètes israéliens, ah mais c'est pas pareil. Bien, euh, Madame Hidalgo se pense propriétaire des Jeux Olympiques jusqu'à nouvel ordre. C'est le CIO qui l'organise, la ville de Paris les accueille, mais euh, et elle a décidé euh, que les athlètes russes et Biélorusse pourrait participer à condition d'être euh, sous drapeau neutre et sans hymne. Bon, j'espère que les athlètes russes et biélorusses ont un minimum d'amour-propre et ils n'accepteront pas d'être traités de cette façon-là et ne viendront pas. Euh, à ces Jeux Olympiques, qui sont, vous j'étais un grand fanat du sport, j'en ai fait beaucoup. Euh, les Jeux Olympiques, c'était une passion. Euh, je crois que ceux de 68, c'était les plus beaux, ceux de Mexico. Je, je, peux, je peux vous donner le nom en matière d'athlétisme de toutes les, les courses de plat, oui, ça je crois. Je crois. Euh, avec naturellement le 200 mètres et Tommy Smith levant le point, euh, mais il y avait eu plein d'autres choses. Il y a le saut de Bob Bimon, Bon, j'adore. J'adorais ça. Je suis aujourd'hui désolé de voir ce que c'est devenu des foires commerciales où l'argent, le fric règne en maître, la corruption totale et euh, le dopage. Bon, donc euh, personnellement, euh, j'étais opposé à l'organisation de ces Jeux Olympiques à Paris et euh, je pense que. Euh, on va peut-être, peut-être, je ne sais pas si ce sera le cas, on va peut-être vers une catastrophe, mais j'ai l'impression que ça risque d'être le dernier clou sur le cercueil de l'olympisme. Restons un peu sur l'olympisme, mais plutôt pour parler de la notion de double standard. Euh, Madame Oudea Castera. Comment euh, Emmanuel Macron arrive-t-il à recruter de pareilles personnalités pour euh, remplir des missions importantes euh, Madame Oudéa Castera, euh, dont la niaiserie s'affiche euh, à l'écran dès qu'elle arrive, euh, a-t-elle pu être nommée ministre de l'Éducation nationale et des Sports Alors la catastrophe a été tellement évidente qu'on a profité du remaniement à Tal pour euh, la changer. Mais elle est restée au sport. Elle est restée au sport, et là, que nous dit-elle Il n'y aura pas de délégation russe et biélorusse, hein, vous l'avez dit, pour cette euh, cérémonie. Et oui, bien sûr, euh, la Russie, elle ne va, elle va pas parader sur la scène. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, notamment à gauche, euh, réclament la même chose pour euh, Israël compte tenu de la situation à, à Gaza Je réponds que la situation euh, n'a rien à voir. Israël a été victime de la pire attaque terroriste de ce siècle. Elle a le droit à se défendre. Elle doit le faire évidemment dans le respect du droit international. Double standard, double standard. Donc, euh, on met à l'écart les athlètes russes. Euh, on ne sait pas ce qu'ils pensent de cette guerre. Les peut biélorusses qui, eux, n'y sont strictement pour rien. Euh, et lorsqu'on dit, mais attendez, il y a un problème avec euh, Israël quand même, vu le massacre de Gaza. Ah ben non, 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 il y a eu le pire attentat, euh, le pire attentat terroriste du 21e siècle. Euh, et par conséquent, euh, c'est normal qu'Israël se défende. Mais pardon le pire attentat terroriste, mais je crois savoir que euh, le, le, les tours du World Trade Center, c'était au, 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 euh, euh, au 21e siècle aussi. L'attentat de la gare d'Atocha, c'était au 21e siècle aussi. Alors, je ne parle même pas du Bataclan. Alors là, parce que effectivement, sur le 7 octobre, euh, qui, est, qui est quelque chose de politiquement très important, parce que c'est euh, en. en, en en l'aggravant euh, euh, au, plan, au plan de la communication, qu'Israël justifie la politique qu'il est en train de mettre en œuvre, qui est une politique d'épuration ethnique et euh, de, 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 tentant de faire aboutir euh, le projet qui est le projet euh, d'un seul État d'Israël, pas d'État pour les Palestiniens, du Jourdain à la mer. Parce que on reproche aux Palestiniens. Euh, à certains Palestiniens, euh, groupe palestinien, d'avoir cette revendication euh, du Jourdain à la mer, mais c'est ce, exactement celle euh, de Netanyahou et de cette extrême droite fascisante qu'il soutient. Bien, donc voilà pour ce qui concerne euh, cette notion de double standard euh, russe biélorusse, pas bon, israélien, pas bon. Moi, je n'ai rien contre les athlètes israéliens, je veux dire que je pense, je ne sais pas ce qui euh, quelles sont leurs positions concernant cette guerre, mais à partir du moment où euh, on sanctionne les athlètes russes et biélorusses, il n'y a aucune raison de ne pas sanctionner les athlètes israéliens. Donc euh, voilà, et comment voulez vous que dans le reste du monde, dans le sud global, ce soit compris cette, euh, cette attitude. Bien, voilà donc pour ce qui concerne euh, Mme Oudéa Castera, puis je vous propose qu'on termine avec nos amis de la chaîne LCU, la chaîne ukrainienne. Alors, j'ai entendu Mme Niva venir sur Sud Radio dire, mais pas du tout, pas du tout, LCI c'est formidable, ils, font, ils sont fixés sur l'international, mais c'est pas du tout une chaîne pro-ukrainienne. C'est pas n'importe qui, Madame Niva, je le sais. C'est pas la pire de toutes, mais elle dit une énorme connerie. Enfin, voyons, comment peut-on nier l'évidence comme ça Mais c'est ça le nihilisme pointé par euh, Emmanuel Todd, c'est-à-dire qu'on nie le réel. On nie le réel. La euh, LCI est un organe de propagande souvent délirant, de propagande pro-ukrainien. Ils n'ont pas la même position concernant euh, le Moyen-Orient, mais venir le nier comme ça, effrontément, elle se déconsidère complètement, Madame Niva. Elle se considère complètement. Et c'est là où on voit que euh, le système fonctionne mal, c'est qu'il y a personne sur le plateau qui lui dit, mais écoutez Madame, vous, vous plaisantez là. Et c'est toujours la même chose lorsque Macron profère des mensonges, lorsque Attal profère des mensonges, lorsque L'ineffable Bruno Le Maire dit des énormités. Il n'y a personne en face parmi les journalistes pour venir dire stop. Attendez, il y a un problème là. La seule fois où il y en a un qui a fait ça avec le porte-parole de l'armée israélienne, il a été immédiatement sanctionné. Je crois que c'était sur RFI. Je ne me rappelle plus si c'était RFI ou, ou, ou Artenan. Je crois que c'était RFI. Bon, toujours est-il que, voilà, eh bien, on va terminer avec LCI, avec David Pujeras faisant un cadeau à Pierre Servan, le fameux Servan Garcia. Reproduction à l'échelle 1 e c'est-à-dire que le vrai missile 1 sixième, donc le vrai missile Scalp, est six fois plus grand que celui-ci, mais c'était exactement le Scalp que nous avons sous les yeux avec ses ailerons qui se déploient et avec cet euh, aérodynamisme, cette forme euh, si particulière. Je ne sais pas s'il se distingue des autres. Euh, Pierre, vous allez nous aider à mieux saisir comment fonctionne cet engin. Donc je, je vais vous apporter le scalp. Et puis, vous allez tout nous dire. Tout nous dire, parce qu'il euh, y a plusieurs sujets, évidemment, de curiosité. Euh, comment ça fonctionne d'abord, où se trouve par exemple la charge explosive, où se trouve le propulseur Alors c'est assez simple sur ce plan-là, les charges sont en tête, je dis les charges parce qu'il y en a deux, je vais expliquer pourquoi, et la propulsion se trouve à l'arrière avec une prise d'air qui est là. Alors euh, en fait à ma place il aurait dû avoir François Hesbourg qui est le papa entre guillemets de cet engin. Tout ceci est totalement... Grotesquissime, mais bon, voilà, chaîne d'information de la France, l'ARCOM, l'organisme de tutelle qui veille au respect de son cahier des charges, ne bouge pas, et la fête du slip, appelons-la comme ça, continue. Bon, écoutez, sur euh, cette grossièreté, je vais vous quitter, hein, toujours euh, consterné par l'état dans lequel. Ces gens-là ont amené notre malheureux pays, mais on va continuer à se bagarrer, on va continuer à espérer que nous parviendrons à le faire changer. Il euh, faudra faire attention parce que M. Monsieur, monsieur Thierry Breton dit qu'il faut euh, condamner la révolte et euh, le nouveau texte que j'ai critiqué sur cette chaîne concernant euh, l'interdiction euh, d'intervenir sur les réseaux pour euh, euh, s'opposer à l'ordre établi euh, risque euh, d'être bientôt applicable et on peut être tout à fait tranquille que nos amis de la répression seront au premier rang pour l'appliquer. Voilà. Bon, et eh bien écoutez, à bientôt.